Merci pour ta présence en ces instants. Merci Père parce que tu es là. Merci Père parce que tu es présent. Merci Père parce que tu es présent. Merci éternel Dieu. Parce que tu es au milieu de nous. La Bible déclare là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Là où deux ou trois ont comme intention d'élever Jésus. Là où deux ou trois sont réunis avec l'intention d'élever Jésus. Toi tu es au milieu d'eux. Toi tu es au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont réunis avec l'intention de rendre un culte à Dieu. Toi tu es au milieu d'eux. Toi tu es au milieu d'eux. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Merci Père parce que tu es là. En ces, 30, en ces 38e jour d'Anouka. Père, merci parce que tu es là. Merci Père parce que tu es là. Brazo Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je n'ai pas besoin de sentir pour certifier ta présence. Père, mais j'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire. J'ai besoin, besoin de croire. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Dans ma vie, je crois que tu es là. Je crois et je sais que tu es là. Paragozo kotobaya. Parada

Père, je sais, je sais que tu es là pour moi. 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 Je sais que tu es là pour ma famille. Je sais que, Père, tu es là pour mon avenir. Je sais, Père, que tu es là pour tout ce qui est à moi. Par so, Unamaki palaba. rato. valima rato. Parada basso palabaya, parada basso palabaya, paroda zoka baya baya, quand les ennemis se lèvent de partout, cherchant à me rabaisser. Père, ta présence me rassure, ta présence me rassure, ta présence me rassure, ta présence me rassure, ta présence me sécurise.

quand tu descends, quand tu es là, les efforts humains vont au repos. Quand tu es là, les efforts humains vont au repos. Oh Père, c'est que j'aime, c'est que lorsque toi même tu descends, c'est que, que lorsque toi-même tu descends, tu nous assures la victoire. 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 Nous te disons merci parce que ta présence nous assure la victoire. Nous te disons merci parce que ta présence nous assure l'ascension. Nous te disons merci. Oh, le psalmistes dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous te disons merci parce que ta présence dans nos vies. World... <sign imprimé> La présence de Dieu dans ma vie appelle les exploits. La présence de Dieu dans ma vie est aussi synonyme d'exploit. La présence de Dieu dans ma vie. Est aussi synonyme de victoire, est aussi synonyme de victoire, parce que le psaume oh, éternel écrasera nos ennemis, et l'éternel écrasera nos ennemis. Nous te disons merci, Père, pour ta présence, pour ta présence qui écrase nos ennemis. Nous te disons merci, Père, pour ta présence qui écrase nos ennemis, peu importe leur nombre, peu importe leur niveau, peu importe leur Nombre, peu importe leur malice éternel Dieu, ta présence nous rassure la victoire. 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 Paradagasso parabaya baya, paragadiva lokeba, et paliva rokim

ta présence assure la victoire, ta présence assure l'ascension, ta présence assure la bonne santé, ta présence. Je me rappelle encore au noce des canons. Nous te disons merci, Père, pour ta présence qui apporte des solutions, qui apporte des solutions, des solutions inimaginées, des solutions inimaginables. Paradosopalimano, palabakibaya,

qui s'élève au-devant de toi, la présence de Dieu t'assure la victoire, la présence de Dieu t'assure la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais d'ailleurs te rappeler que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Jésus, alors qu'il partait, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui a vaincu, c'est celui qui a vaincu le diable et avec toi. C'est celui qui a vaincu le diable et avec toi. C'est celui qui a vaincu le diable à la croix et de ton camp. C'est celui qui a vaincu le diable à la croix et de, de ton côté. Il est 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 avec toi. En ce midi, tu n'es pas seul. En ce midi, dans ta famille, tu n'es pas seul. J'aimerais parler à quelqu'un qui a comme l'impression qu'il est seul. Tu as comme l'impression que les gens t'ont abandonné autour de toi ce n'est pas un problème les gens peuvent t'abandonner les gens peuvent te priver de leur présence mais dieu a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde ça ne dépend pas de tes efforts ça ne dépend pas de tes temps de prière mais c'est une promesse qu'il a faite dans la bible c'est une promesse qu'il t'a faite et qu'il va réaliser paragaso parabaya karabaya, so chaka

Ce qui t'amène à la présence de Dieu. C'est midi, mais je sais quelque chose. C'est que la présence de Dieu rend possible ce qui était impossible. Je sais quelque chose. C'est que la présence de Dieu rend possible ce qui était impossible. La présence de Dieu rend visible ce qui était invisible. La présence de Dieu fait des choses inimaginables. La présence de Dieu fait des choses insoupçonnées. Il fait des choses. Sa présence fait des choses au-delà de ton entendement. Au-delà de ton entendement. Au-delà de ton intelligence. Au-delà de ton intelligence. Aragazo.

Para ba 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 ba. ba ya ba ya. Para da ba 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 ba. Para ba ya ba ya. Para ba ba ya ba ya. Para ba 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 ba. para la ba ya ba ya. ba ya. E ra da 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 Para da 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 ba. para la ba ya. E para ba 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 Kara ba ya ba 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 Para ba 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 ba. Kira ba 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 ba. Chapa la et parabaya, rabaya parra parababa ba parababa, ya parababa, parababa. la présence de Dieu 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 est une clé la présence de Dieu est aussi une clé pour ton ascension. La présence de Dieu dans ta vie est aussi une clé pour ton ascension. En cette guerre de midi, tu as besoin de la présence de Dieu. Aïa, 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 aïa,

La présence de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, est la clé qui fera en sorte que tout ce que tu fais aille de l'avant, qui fera en sorte que tu puisses vivre l'ascension, qui fera en sorte que tu puisses vivre l'ascension. Parabo, I para. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est de ton côté, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Qui, contre toi? qui pourra se lever contre toi? Si tu as Dieu de ton côté?

Job 5, 19. Job, le chapitre 5, le verset 19. Nous sommes en train de prier pour la présence de Dieu. La Bible déclare ceci. Six fois, il te délivrera de l'angoisse. Écoute très bien ce que, que, que la Bible dit dans Job. Job 5, 19. Six fois. Il te délivrera de l'angoisse. Et cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Six fois, il te délivrera de l'angoisse. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6, c'est le chiffre des efforts humains. Ça veut dire que pendant six fois, tu t'es tu débattu de par toi-même. Ça veut dire que six fois, selon tes efforts humains, tu n'es pas arrivé à vivre l'ascension. Mais ce que j'aime, c'est que cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'intervention divine. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Ça veut dire que tu as cherché toi-même pendant six jours. Tu n'as pas trouvé. Tu as cherché toi-même de par tes propres efforts à vivre l'ascension. Mais tu n'as tu, 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 tu pas trouvé. Tu t'es retrouvé toujours dans le mal. Et Dieu t'a sauvé. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, Dieu te met au repos. Et lui-même se charge de ton ascension. Dieu met ta famille au repos et entre lui-même en action pour ton ascension. Dieu met tes efforts au repos. Et te prends pour te faire vivre l'ascension. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Dieu, c'est le temps de mon ascension. C'est le temps de mon ascension. J'ai essayé de par moi-même. Je ne suis pas arrivé. Mais par ton nom, par la puissance de ton nom, par ta présence, je... c'est le temps maintenant de mon ascension. Comme tu es là, comme tu es là, je vais au repos. Comme tu es là, éternel Dieu, tu te charges toi-même de mon ascension. Comme tu es là dans ma vie, tu te charges toi-même de, 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 de m'élever. Tu te charges toi-même de mon élévation. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier Parabaya baya. Parabaya baya baya. Tu as essayé toi-même pendant six fois. Tu as essayé de vivre l'ascension de par toi-même. Tu n'es pas arrivé. Ah, oh, maintenant c'est le temps de Dieu. 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 Maintenant c'est le, le temps de Dieu. De par ta sagesse, de par ton intelligence, de par tes compétences, tu as essayé de rechercher l'ascension, mais tu n'es pas arrivé. Ah, oh, laisse-moi te dire que maintenant c'est le temps de Dieu. 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 Tu as essayé de par toi-même, tu n'es pas arrivé. Laisse-moi te dire que la solution ultime maintenant c'est Dieu. La solution ultime maintenant c'est Dieu. Paragazo gozo, baya,

Maman, tu as recherché ton ascension de par toi-même. Tu as recherché l'ascension de par ton intelligence. Tu pensais que c'était ton intelligence. Tu pensais que ce sont tes, tes, tes diplômes, tes connexions, tes connaissances qui vont te faire parvenir à l'ascension. Tu as placé toute ta confiance sur ce que tu avais. Ça n'a pas marché. Tu es comme la femme à la perte de sang. Pendant 12 ans. Elle a visité plusieurs médecins. Ça n'a pas marché. C'est maintenant le temps de laisser à Dieu la place. C'est maintenant le temps de laisser à Dieu de faire les choses. Laisse maintenant à Dieu la place de travailler. Laisse maintenant à Dieu la place de travailler. Laisse maintenant à Dieu la place de travailler. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Pour ta famille. Laisse maintenant à Dieu la place de travailler.

epalabaya sokapaya baya erabababababa sopalababaya baya karabaya bayabaya erababababababa sakatalala baya

Là où l'intelligence humaine est limitée, là où ton intelligence s'est limitée, Dieu veut maintenant entrer en action. 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 Tu, es, tu as marché dans les cabinets de plusieurs médecins pour chercher la guérison à ton problème. Ah, là c'était l'effort humain. Là c'était l'effort humain.

Tes prières, mettent Dieu en action. Par tes prières, tu montres à Dieu que dans, dans tu montres à Dieu que pour ce problème, c'est lui seul qui doit intervenir. Ah, pour cette difficulté qui a longtemps traîné dans votre famille, c'est lui seul qui peut intervenir. C'est lui seul qui peut intervenir. C'est lui seul qui peut intervenir. Qu'il Qu intervienne, qu'il intervienne qu'il intervienne, qu'il intervienne. Tu as vu plusieurs médecins pour ce problème de stérilité. Ils ne trouvent toujours pas le problème. Ah, c'est maintenant le temps d'aller voir le docteur Jésus. C'est maintenant le temps de laisser au docteur Jésus de travailler.

Chaka paya, 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 parabaya, parabaya, pere bébé, parabaya, 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 parabaya. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier en battant le main. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de prier en battant le main. Que Dieu bénisse tous ceux. À la maison ou en présentiel, sur YouTube ou sur Power Channel, qui sont en train de prier en battant les mains, parce que vos prières et vos battements de mains ah, 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 font en sorte que Dieu se déplace de son trône et descende pour résoudre le problème. Chaco et Capilla Barapo, Paradoso Kapaya, Akarado zoka tola baya. Ada 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 ada. Karada ada baya. Parabaya baya baya. Koraba baba 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 baba, ira ba zo 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 mabrado Ma brado Karabaya baya baya. Karada ada 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 baya. Karaba ba 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 ada 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 baya. Karabaya baya baya baya. Kira da 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 baya baya, ara da da baya, ira da 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 baya, ubaya ubaya, eh eh, shaka kaka kaka,

Interviens maintenant dans le problème de mes enfants. Interviens dans le problème de mon église. Interviens dans le problème de ma femme. Interviens dans le problème de mes enfants. Oh, ya ba, ya ba, ya ba, ya. Oh. Interviens dans le problème de mon entreprise. Interviens dans le problème de ma famille. Interviens, Père. Interviens, Père. Oh. ba jantone mama pria alingala dire yawe kota likambo ya bana na ngai kota likambo ya bana na ngai bazwa misala tour oyo bazwa misala annee oyo babundani na bango moko bakoki te ah je voy un papa prier en français et dire éternel Dieu intervient maintenant pour ma vie Interviens maintenant pour ma vie ah oh, j'ai 35 ans je suis toujours dans la maison familiale j'ai 35 ans je suis toujours chômeur éternel Dieu intervient 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 par la gauche parababaya parababaya shakatabaya parababaya

Eh parabaya baya baya baba 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 parabaya baya 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 ira baba 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 paradozozozozo paracuta la baya eh paragoidega idafa pina pina pino pe arrête parabaya Père intervient dans le problème de ma famille intervient dans le problème de mes frères intervient dans le problème de mes études intervient dans le problème de mes projets Aïe, 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 dans les difficultés qui rencontrent mes projets, dans les difficultés qui rencontrent mon avenir, dans les difficultés qui rencontrent mon entourage, Père intervient, Père intervient, Père intervient, Père intervient, Père intervient dans les difficultés qui rencontrent mon église, Père intervient, Père intervient dans les difficultés qui rencontrent mes parents. Karaba. Chakaka, Akapaya, 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 Paradaya, Parabaya, Baya, Parabaya, Kora et Kora Baya, père père Kora père Kora Baya, père. intervient, Père intervient intervient, intervient père intervient en intervient entre en action, Shakapaya, Akapaya, Akapaya, Parabaya, Parababa, Puridide, Sokatabaya, Karababa, Baba, Baba, Parada, Dada, Baya, Parababa, Baba, Parozozozo, Ekarada, Baya, Korabaya, Paya, 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 Baba, 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 baya baya, Baba, 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 Ura baya baya kaya paya paya paya, paya para gadaya para gadaya ga ura gadara do do haya baya haya baya cara baya para baya supala baya para ba 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 para gadara da 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 para

Moi je suis en train d'entendre intervention divine. Des acclamations sont en train de dire Père intervient. Des acclamations sont en train de dire à Dieu, Éternel Dieu intervient. Des acclamations sont en train de dire à Dieu, Éternel Dieu intervient. Éternel Dieu intervient. Éternel Dieu intervient. Éternel Dieu intervient. Des acclamations donnent un son. Des acclamations

Kurra da 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 baya. de 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 Karra baya baya baya. Karra ba 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 ba. Hurra ba 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 da 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 Kaya 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 kaya. Parra ya baya. Parra ya baya. Parra da baya baya. Parra ba 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 baya baya baya. E paya. E paya. E paya. ya 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 ya. ya 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 ya

Kasha baya, Karada Dada Baya, Karababa Baba Baba, Hirada Dada Dada, Kura Baba Baba Baya, Hiridi Didi, Kapala Baya Baya, Karaba Baba Baba, Shakatala Baya Baya, Karada Dada Baya Baya, Karaba Baba Baba Paya. Oh, Shaka Yes, 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 intervient Kaya. Paya, 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 Paragaya, Paragaya. Au nom d'eux, au nom d'eux. Acclame fortement pour l'Éternel. Acclame fortement pour l'éternel. J'aimerais le répéter comme je l'ai dit beaucoup plus tôt. Tes acclamations mettent Dieu en, mettent Dieu en action. Tes acclamations mettent Dieu en action. Alors fais-les très bien. Rassure-toi que tu es en train de très bien le faire. À la maison là où vous nous suivez, rassurez-vous que vous êtes en train de très bien acclamer pour le Seigneur. Ah, Rassure-toi que, que tu es en train d'acclamer très bien pour l'Éternel. Aïe, ah, aïe, ah, aïe, ah, aïe, ah, aïe. Ah, ah, ah. Yes, Amen. Alors mets-toi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va intervenir pour ton problème. Dieu va intervenir pour ton problème. Peu importe la difficulté qu'il y a dans ta vie, peu importe la difficulté qui règne dans votre famille peu importe la difficulté qui range tes enfants, peu importe cette difficulté qui ronge ta femme, papa tu nous suis ou qui ronge ou, ou, ou qui ronge papa. Laisse-moi te dire que l'intervention de Dieu va mettre fin à toutes les difficultés au nom de Jésus. L'intervention de Dieu va mettre fin à toutes les difficultés au nom de Jésus. Qui est cette montagne qui se lève au devant de toi qui est ce Goliath qui s'élève au-devant de toi? Toi, tu as la présence de Dieu. Toi, tu as Dieu avec toi. Toi, tu as Dieu en toi. Ah! ah la Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. D'ailleurs, la terre est son marchepied. Mais curieusement, ce Dieu grand et puissant a une place et cette place est en toi. C'est Dieu puissant habite en toi. C'est Dieu puissant habite en toi. Et je ne vois pas quel sorcier pourra te déranger. Je ne vois pas quel sorcier pourra te déranger. Parce que tu as la présence de Dieu en toi. Parce que tu as Dieu en toi. Est-ce que tu peux acclamer puissamment pour Jésus? Acclame puissamment pour Jésus. Amen. Alors, bienvenue encore à ceux qui nous suivent sur YouTube. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur Power Channel. Vous êtes des milliers connectés à nous suivre depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les 38e jours de Hanouka. Waouh! Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi-même? Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Ce n'était pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous y sommes arrivés. Et nous allons arriver jusqu'à la fin. Amen. Alors restez connectés, restez toujours connectés à nos programmes. En tout cas, ne ratez pas, ne ratez à aucune séance. Soyez toujours là. À nous, c'est comme une cure. Notre Père l'avait dit que c'est comme une cure. On commence à minuit. On a l'école de la délivrance à 6 heures. On a la guerre des midi et on a la grande plénière le soir à 16 heures avant d'ouvrir le jeûne. Ne manque pas même à une seule séance. Et je t'assure que le Dieu de notre Père, le Dieu qui a communiqué la vision de l'ascension pour cette année à son serviteur, le prophète Joël, te fera vivre l'ascension après ce programme. Il te fera vivre l'ascension après ce programme. Alors restez toujours connectés. Vous qui nous suivez, soyez toujours là. Soyez toujours ferme. continuez à jeûner. Et si vous le pouvez, en tout cas, déplacez-vous et venez ici en présentiel. Venez ici en présentiel pour palper du doigt, pour voir cela, euh, 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 comment on dit, pour voir cela de vos propres yeux. Qu'on ne vous rencontre pas les choses qui se passent ici à la porte des cieux. Qu'on ne vous rencontre pas comment Dieu est en train de parler avec précision dans la vie de plusieurs personnes ici en ce lieu. En tout cas, ne manquez pas. Venez, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Limité, à Gombe, à Njili. Prenez les transports, quittez même à 14h. Il y a des gens qui arrivent ici déjà à partir de 14h. Viens à 14h, mets-toi, prends une très bonne place et prédispose-toi à vivre l'action de Dieu. Et je t'assure, je en tout cas si tu fais ça, je t'assure que Dieu ne manquera pas de te localiser. Je t'assure que Dieu ne manquera pas de te localiser. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles, nous allons passer par un court moment d'exhortation, après quand nous allons nous plonger encore dans la prière. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode, le chapitre 3. Exode 3. Exode 3. J'ai lu à partir du chapitre 7. Je vais lire seulement les chapitres 7 et les chapitres 8. Écoutez très bien ce que la Bible de Dieu déclare. La Bible déclare ceci dans Exode 3, 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici en présentiel ou qui nous suit en direct, Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ta souffrance alors que tu es en Égypte. Dieu a vu ta souffrance alors que tu es retenu captif par les Égyptiens. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Non seulement Dieu a vu ta souffrance, mais Dieu a aussi entendu tes cris. J'aimerais dire à une maman qui a l'habitude de crier, de pleurer pour ses enfants. J'aimerais dire à un papa qui a l'habitude de prier, de pleurer pour sa famille. Dire Seigneur, euh, les choses vont changer quand Quand est-ce que nous allons voir la lumière Laisse-moi te dire que Dieu, en ce midi, Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes cris. Tes cris de détresse, Dieu l'a entendu. Et qu'est-ce qu'il dit Je suis descendu. Pour les délivrer de la main des Égyptiens. Dieu ne s'est pas seulement limité à voir ta souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en ce midi, Dieu ne s'est pas seulement contenté à voir ta souffrance. Dieu ne s'est pas seulement contenté à écouter tes cris de détresse. Mais Dieu s'est décidé maintenant. Dieu s'est décidé maintenant de descendre pour te délivrer. Dieu se décide maintenant de descendre pour te délivrer de la main des Égyptiens. Et ça sera le cas pour quelqu'un en ce midi au nom de Jésus. Non seulement pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter. Pas pour les faire descendre, mais pour les faire monter. N'est-ce pas que nous sommes en train de parler de l'ascension N'est-ce pas que nous sommes en train de parler de l'ascension non seulement Dieu est descendu pour te délivrer, mais Dieu va se rassurer qu'après t'avoir délivré, il te place dans les hauteurs. Dieu va se rassurer qu'après t'avoir délivré, il te place dans un pays, il te place dans, dans un lieu élevé. Et pour le faire monter dans, dans ces pays, dans un bon et vaste pays. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps que Dieu te fasse monter dans un bon et vaste pays. Il est plus que temps que Dieu fasse monter tes enfants, ta famille et tout ce qui est à toi dans un bon et vaste pays. Tu avais l'habitude de vivre dans un pays où il y avait la sécheresse. Tu avais l'habitude de vivre dans un pays où il y avait l'esclavage. Tu avais l'habitude de vivre dans un pays où tout, tout était difficile. Même maintenant... Dieu se décide de te faire monter dans un bon et vaste pays. Dieu se décide de faire monter tes enfants dans un bon et vaste pays au nom de Jésus. Dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel. Lorsqu'on parle du lait et du miel ici, ça veut simplement dire que c'est un pays qui sera favorable pour l'agriculture. C'est un pays qui sera, favorable pour, qui sera favorable à tes activités. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est plus que temps que Dieu te mette au large, même sur le plan entrepreneurial. « Oh, tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas écouté. » Dieu va te mettre au large, même sur le plan entrepreneurial. Non seulement il te place dans un bon et vaste pays, mais il sera sûr aussi que ces pays-là soit favorables pour ton... Oh mon Dieu soit favorable pour ton lait, pour le lait et le miel. Il sera sûr que ces pays ne sont pas seulement bons et vaste mais il sera sûr que ce pays soit favorable pour tes activités. Oh, que ce pays soit favorable pour tes entreprises. Dans un pays où coulent le lait et le miel. Mais ce qui m'étique le plus, c'est la fin de ces versets. Écoutez très bien la fin de ces versets. C'est un bon et vaste pays, bien sûr. C'est un pays où coule le lait et le miel, favorable à, à tes activités, à, 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 favorable à ton entrepreneuriat, à tes activités entrepreneuriales. Mais il se passe quelque chose. C'est que ce pays est habité par les Cananéens, par les Essiens, par les Amoréens, par les Phéréziens, les Éviens et les, et les Jébusiens. C'est un bon et vaste pays. Ce pays est favorable à toi. C'est favorable à toi et à ta famille. Mais il se passe quelque chose. C'est que dans ce bon et vaste pays, il y a déjà des gens. Il y a des Cananéens. Il y a des Essiens, il y a des Amoréens, il y a des Phérésiens, il y a des Éviens et il y a des Jébusiens. Acclame d'abord pour les seigneurs, je vais t'expliquer quelque chose de très fort après quand nous allons prier. Amen. C'est un bon et vaste pays, maman. Un très bon pays, papa. Où ça sera favorable pour tes entreprises. Mais il y a quelque chose qui dérange c'est que les enfants d'Israël doivent combattre. Les enfants d'Israël doivent faire face à une certaine catégorie de peuples afin de posséder définitivement le pays. Les enfants d'Israël doivent faire face à une certaine catégorie, une certaine race de personnes avant de conquérir ces bons et vastes pays. Et d'après mes études, lorsque j'ai très bien étudié chaque peuple, qui étaient dans ces bons et vastes pays. Chaque peuple que les enfants d'Israël devaient faire face avant de, 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 euh, de s'établir dans ces pays, je me suis rendu compte que chaque peuple avait une caractéristique bien précise. Chaque peuple a une caractéristique bien précise que les enfants d'Israël devaient détruire afin de rester, de dominer dans ces bons et vastes pays. Et je me suis rendu compte que dans la vie de plusieurs personnes, même dans ma vie ou dans, dans, dans la sienne, vous, vous, vous qui nous suivez, je me suis rendu compte que nous devons aussi faire face à ce genre d'ennemis afin de dominer, afin de rester ferme dans le bon et vaste pays que Dieu nous a donné. Le tout premier ennemi ou le tout premier peuple que les enfants d'Israël devaient faire face, c'était les Cananéens. Est-ce que tu peux dire après moi les Cananéens Vous qui nous suivez, écrivez juste Cananéens. La grande caractéristique avec les Cananéens, lorsque j'ai fait des études, je me suis rendu compte, et on dit précisément, que les Cananéens étaient un peuple constitué de méchants. Les Cananéens étaient des personnes très méchantes. Les Cananéens étaient des personnes qui, qui c'était comme s'ils n'avaient pas de cœur. C'était des personnes très méchantes qui pouvaient mettre fin à la vie d'une personne. Ce sont des personnes très méchantes qui avaient pour but d'éliminer totalement la vie de toute personne qui passait dans, dans les alentours. Et c'est aussi le cas pour toi. Tu as des Cananéens qui rôdent autour de toi. Tu as des personnes méchantes qui sont là et qui font tout pour que tu ne puisses pas atteindre ton ascension. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu ne fais pas face à ces personnes méchantes, si tu n'élimines pas ces personnes méchantes, en tout cas désolé pour toi, tu ne pourras pas conquérir ces bons et vastes pays. Tu ne pourras pas conquérir ces bons et vastes pays. Pour que tu puisses t'établir dans ce bon et vaste pays, tu dois éliminer toute personne méchante autour de toi. Toute personne qui veut voir ton sang couler. Toute personne... Bien vous savez que les mauvaises personnes sont même, les personnes méchantes sont même au boulot, à la maison, sur notre avenue, même dans notre entourage. Alors que vous, vous pensez que tout le monde est content avec vous, tout le monde est, 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 est content du fait que vous montez, mais il y a de ces personnes méchantes qui, veulent, qui, qui font tout, qui font de l'air possible pour que ta joie ne soit pas parfaite. Mais je lève ma main au nom de Jésus. Sous l'onction de mon père, le prophète Joël Francis Tatou, je déclare que toute personne méchante autour de toi tombe au nom de Jésus. Amen. Ah, tout cananéen, homme méchant, homme de sang, qui fait tout pour que toi et tes enfants ne puissiez pas vivre l'ascension, tombe au nom de Jésus. Amen. Deuxième peuple, deuxième peuple, on a parlé ici des Essiens. On a parlé ici des Essiens. Amen. On a parlé ici des Essiens. Et lorsque j'ai fait mes études, il y avait beaucoup de caractéristiques qu'on avait données sur les essiens. En tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractéristiques. Mais l'une des caractéristiques qui m'a le plus tiqué avec les Essiens c'est que les Essiens étaient forts. Un, dans la sorcellerie. Deux, dans la magie. Et trois, dans les arts divinatoires bien aimé tu ne peux pas posséder ton bon et vaste pays tant que autour de toi il y a des personnes qui sont dans la sorcellerie qui font tout pour que toi tu puisses toujours te retrouver euh, euh, en arrière il y a des personnes qui sont en train de manigancer des choses dans la sorcellerie pour que toi tu ne puisses pas vivre ton ascension il y a des sorciers, plusieurs sorciers sont élevés en cette saison ils font tout. ils font des incantations, ils sont en train de préparer des, des, des euh, ils, ils sont en tout cas en train de préparer des mauvaises choses dans la sorcellerie, dans la magie, dans les arts divinatoires, ils préparent des choses pour que toi tu ne puisses pas vivre ton ascension. Tu ne pourras pas vivre ton ascension sans mettre fin aux œuvres de la sorcellerie autour de toi. Tes enfants ne vivront pas l'ascension si tu ne mets pas fin, si tu, te, si, si tu ne te décides pas de te lever et de mettre fin à la sorcellerie qui veut tout faire pour freiner ton ascension. Il y a plusieurs personnes qui sont encore retenues. Il y a encore une pesanteur spirituelle autour de vous une pesanteur spirituelle satanique autour de vous qui font en sorte que vous ne puissiez pas vivre votre ascension. La... C'est la sorcellerie. Tant que tu ne mets pas fin à cela, tu ne pourras jamais aller très loin. Que tu ne mets pas fin à cela, tu ne pourras jamais toucher tes millions. Mais la bonne nouvelle est que dans la Bible, il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. En ce midi, un sorcier va mourir. Tu ne m'as pas ton amen, ton amène est trop gentil. Ton amène est trop gentil. Aujourd'hui, un sorcier va mourir. Le sorcier qui retient ta famille va mourir. Le sorcier qui envoie la pesanteur spirituel satanique pour t'empêcher de monter dans ton bon et vaste pays va mourir au nom de Jésus. Il va mourir au nom de Jésus. Par là-bas, bah, bah, bah. troisième type, je crois qu'on pourra, on pourra s'arrêter par là ou peut-être prendre le quatrième, c'est les Amoréens. On a dit qu'habitent les Cananéens, les Esséens, les Amoréens. Les Cananéens, je dis que c'est un peuple méchant, ce sont les hommes des sangs. Les, les Esséens, j'ai dit qu'ils sont très forts dans la sorcellerie, dans la magie et dans les arts divinatoires. Et il y a les Amoréens maintenant. Les Amoréens, leur très grande spécificité, c'est que les Amoréens fonctionnaient dans un système, ils fonctionnaient avec un système tribal. Plusieurs familles n'arrive pas à, à atteindre l'ascension parce que vous êtes retenu par un système tribal parce qu'il y a un système tribal qui retient votre famille à un certain niveau parce qu'il y a un système tribal qui a prononcé des paroles et qui a dit que dans cette famille nous tous nous devons nous, nous tous nous nous nous, nous, nous donc donc, personne ne pourra jamais voyager pour aller à l'étranger. C'est un système tribal. Et tant que tu ne t'élèves pas pour mettre fin au système tribal, tant que tu ne t'élèves pas pour sortir du système tribal, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas vivre l'ascension. Tu ne pourras pas vivre l'ascension tant que tu es retenu par un système tribal. Bien sûr, tu es venu, bien sûr, tu es Luba, bien sûr, tu es Yaka. Bien sûr, tu es venu de ta tribu, mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu ne vis plus par rapport à un système tribal. Tu ne dois plus normalement vivre par rapport à une norme tribal, mais tu dois vivre par rapport aux normes du ciel. En ce midi, tu vas sortir de tout système tribal. Oh, J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, en direct ou ici en présentiel, tu dois sortir de tout système tribal. Tout système tribal qui te retient, qui retient ton mariage, qui retient ton élévation, tu dois sortir au nom de Jésus. Je me rappelle encore de l'histoire de, de euh, Jacob. Jacob voulait se marier. Il a choisi sa femme. Il a travaillé sept ans pour Rachel. Il travaille sept ans pour Rachel. Rachel, est normalement dans la joie, elle s'est dit que non, je vais aller chez mon mari. Jacob, parce qu'il a travaillé pour moi. Mais, mais Jacob ne savait pas qu'il y avait un système tribal qui régnait et qui faisait en sorte que la petite sœur ne peut pas partir sans, sans, sans que la grande sœur ne soit partie. Il faut d'abord que la, la grande sœur parte après, la petite sœur va partir. Et dans plusieurs familles aussi, c'est comme ça. Vous êtes encore retenu au statu quo simplement parce qu'il y a des systèmes, il y a un système tribal. Oh mon Dieu, il y, a, il y a comme un système tribal qui fait, il y a, il y a même plusieurs familles où il est, il, est, il est dit que personne ne peut atteindre 70 ans, personne ne peut atteindre 60 ans. Non, dans notre tribu, c'est comme ça. Personne n'est pas atteindre une certaine taille. Comme, comme, comme pour moi, par exemple, on m'a dit, non, comment toi tu atteins cette, cette, cette taille, comment tu, comment tu peux atteindre cette taille Parce que très généralement, on sait que les gens de votre tribu ne peuvent pas atteindre cette taille. Pourquoi Parce qu'il y a des systèmes tribaux. Il y a des systèmes tribaux qui sont, qui, qui sont là pour retenir l'ascension de plusieurs personnes. Mais en ce midi, au nom puissant de Jésus, tu vas sortir de tout, tout système tribal. Tu vas sortir de tout système tribal. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Quatrième, et on va s'arrêter par là. Quatrième, c'est les phérésiens. Quatrième ennemi qu'il faut faire face pour son attention, c'est les phérésiens. D'ailleurs, phérésiens, lorsque vous lisez les caractéristiques des phérésiens, phérésiens veut simplement dire qui appartient à un village. Qui appartient à un village. Donc, ça veut dire que toi, tu appartiens à un village. Ça veut dire qu'on t'a déjà délimité géographiquement. On a dit que toi, tu dois vivre dans un village. Toi, tu dois appartenir dans un village. Toi, tu ne peux pas quitter ce niveau-là. Toi, tu dois toujours continuer à vivre dans un lieu qu'on appelle le village. Tu ne peux pas aller dans la ville. Tu ne peux pas voyager, aller à l'étranger. Pourquoi Parce que toi, tu appartiens au village. Ta vie est contrôlée par le village. Oh mon Dieu, il y a même plusieurs personnes. Il est déjà haut gradé. C'est déjà quelqu'un qui est poussé. Même, euh, même scientifiquement, il est déjà très intelligent. Mais il retrouve toujours sa vie retenue au village. Sa vie est toujours retenue au village. Tu ne pourras pas vivre l'ascension si ta vie est retenue, est retenue dans, une certaine, euh, dans, dans un certain lieu géographique. Il y, leur, leur, leur Il y a plusieurs personnes. Leur vie est re retenue dans l'eau. De Il y a plusieurs personnes. Leur vie est retenue dans une bouteille au-dessus de l'arbre. Il y a plusieurs personnes. Leur vie est retenue dans une bouteille qu'on a placée dans la forêt. Tu ne pourras pas vivre ton ascension si tu es limité. Tu ne pourras pas vivre ton ascension si tu es limité. Tu ne pourras pas... Vivre ton ascension. Si ta vie à toi est contrôlée par les gens de ce monde. Si ta vie à toi est contrôlée par un oncle ou une tante quelque part là-bas au village qui dicte tout ce qui doit t'arriver. En ce midi, tu vas sortir de toute géolocalisation satanique. Oh mon Dieu. Toute délimitation satanique, tu vas sortir. Tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Yes. 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 Ah, est-ce que tu peux commencer à prier Parle d'abord, alors. Est-ce que tu peux battre d'abord Bas les mains d'abord pour l'éternel. Bas fortement les mains. Bas fortement les mains pour Jésus et lève-toi. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Paradada yaba ba 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 au nom de les premiers ennemis, lève-toi, sois debout. À la maison, là, où vous nous suivez, si possible, levez vous Nous voulons prier. Nous voulons, nous voulons aller en prière. Bien-aimés, à la fin de cette anouka, à la fin de cette année, toi, tu dois posséder ton bon et vaste pays. Toi, tu dois t'établir dans tes lieux élevés. Mais pour ça, tu dois combattre. Mais pour ça, tu dois combattre. Et le premier ennemi que tu dois faire face, les Cananéens, les hommes méchants, tu vas battre les mains avec moi, tu vas dire, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout méchant autour de moi qui retient mon ascension, qui retient l'ascension de ma famille qui retient l'ascenseur de mes enfants, qui retient l'ascenseur de mon Église, Soit éliminé au nom de Jésus. Soit éliminé au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... battez les mains commencent à prier. Parabaya, Parababa, À la maison, ne soyez pas distrait. Battez les mains. Nous sommes en train de prier et de demander à Dieu qu'il élimine tout... tout Personne méchante qui retient notre ascension. Toute personne méchante qui retient l'ascension de nos enfants. baba, qui soit éliminés, qui soit éliminés. Que les méchants soient éliminés. A et éliminé. Tout méchant est éliminé. Tout méchant qui retient mon ascension méchants qui travaillent pour que je ne puisse pas vivre mon ascension soit éliminé soit éliminé soit éliminé soit éliminé mon père mon père alors que je prie en battant les mains et en marchant toute personne ah toute personne méchante les hommes de sang qui font en sorte que je sois éliminé dans ma saison d'ascension que eux-mêmes soient éliminés que eux-mêmes soient éliminés Paragaya, Shakabaya, e Palabaya, o Palabaya, e Palabaya, o Palabaya, a Palabaya, e Palabaya, e Palabaya, e Palabaya, para da 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 baia, que só eliminei, que só aga 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 aga, aga 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 a o para baya. Paya, paya, paya. Paya, Paya, kapaya, kabaya, kabaya. Kabaya, kapaya, kabaya, kapaya, 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 yahweh, 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 les hommes de sang, les hommes méchants autour de moi sont éliminés, sont éliminés, sont éliminés, sont éliminés, éliminés. kapaya, kapaya, kapaya pré 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 adada epada epada epaya épaya. Epaya, épaya. epaya 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 les hommes méchants autour de l'ascenseur de tes enfants sans éliminer sans éliminer shaka ekapaya okapaya erabaya aga 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 aga

Kapaya, paya. hé, hey, hey, hey. ils seront eux-mêmes éliminés. Ils seront eux-mêmes éliminés. Ils vont tomber dans leur propre piège. Ils vont tomber dans leur propre piège. Akaya, Apaya. Hé hey, Shakaya. Apaya. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa vie Est-ce que quelqu'un peut prier pour son ascension Tu n'es pas en train de prier pour moi. Tu pries pour ton ascension, pour l'ascension de ta famille, l'ascension de tes enfants. Chakaya, Akaya, Epaya, Ataya.

Copaya, Epaya, 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 Kapaya. Aïe 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 Alors que tu pries en battant les mailles en marchant. Je vois ces hommes méchants être éliminés. Je vois Dieu éliminer ces hommes méchants. Les hommes qui sont en train de forger. Pour toi est nul et le sens sans fait. Parabaya. Parabaya. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Arme que les hommes méchants sont en train de planifier contre toi et tes enfants en cette saison et ni le sens de fait au nom de Jésus et le sens de fait au nom de Jésus je lève ma main comme fils du prophète Joël Francis Tatou. je m'appuie sur ces alliances et je décrète et je déclare que tout homme méchant qui travaille pour que ton sang puisse couler en cette saison d'ascension qui soient éliminés au nom de Jésus. Qui soient éliminés au nom de Jésus. Ils ne te feront plus au nom de Jésus. Je les enlève de ton chemin au nom de Jésus. J'enlève de ton chemin toute personne méchante au nom de Jésus. Deuxième catégorie c'était les amoréens. Les amoréens c'est les systèmes tribal. Je ne sais pas, toi-même tu connais les systèmes tribal qui existent chez vous. Toi-même, tu sais. Et curieusement, ce qui te dérange maintenant, c'est exactement ce qui est dit dans ce système tribal. Et tu ne pourras jamais vivre l'ascension si tu es retenu par ce système tribal. Mais moi, je sais, c'est qu'en Christ, nous sommes libérés. En Christ, nous sommes libres. La Bible déclare lorsque, lorsque Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Tu vas prier en battant les mains. Tu vas dire à Dieu, Père. En ce midi, je suis fils de Dieu. J'appartiens au royaume de Dieu. Je sors de tout système tribal. Je ne sais pas, peut-être il y a des paroles négatives qui pèsent, dans mon, de notre, qui pèsent dans notre système tribal. Mais alors que je bats les mains, Père, je sors de tout système tribal. Mes enfants sortent de tout système tribal. Mon mari sort de tout système tribal. Mes entreprises sortent au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Tu sors de tout système tribal. Kaya, tu sors de tout système tribal. Tu sors de tout système tribal. Paragayaba. Père, je sors de tout système tribal. Éternel Dieu, tout système tribal qui me retient dans la faiblesse, qui me retient dans la bassesse. Aya, 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 aya.

<truits> je sors de tout système tribal. Je sors de tout système tribal. Je sors je sors je sors, 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 je sors. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mes enfants sortent. Mes enfants sortent. Je sors. Ma famille sort. Mes frères sortent. Akayagaga, akayagaga. Oh parabaya, parababa, tu fais bien de prier, tu fais bien de continuer à prier. Parce qu'alors que tu es en train de prier, tu sors de tout système tribal. à et

Soka paya, agada gararara, a para la baya, apala la baya, e payaba, e re 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 re, shakata baya, apara para ba ba ba, e ra ba, e para ba ba ba, ba e para ba ba ba, ba, e para ba 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 Voilà, tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors, tu, tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Un papa est en train de sortir. Une maman est en train de sortir. Je vois un frère, une soeur en train de sortir du système tribal qui ai, 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 ai. les retenait. Aïe, 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 aïe. Tu n'arrivais pas à voir le boulot simplement parce que tu étais retenu par un système tribal. Chaka, kapaya, kapaya, et paya, kapaya, et paya.

Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Chaco Pade. Et Padabaya. A Palabaya. Et Rede Rede Rede. Paya Bababa. Yes. 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 Paya Baya. Paya Baya. Paya Baya. Ara da 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 ba. Shakata Baya. E Kabaya ba. Paya Baba Baba. Pere de By de de de. Para da 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 Para Baba Baya. Oh En oh nom de Josué chapitre 1, le verset 1. Oh mon Dieu, tu fais très bien de prier parce que, alors que tu pries, tu sors de tout système tribal. Tu sors de tout système tribal alors que tu pries. Josué 1, le chapitre 1. Josué chapitre 1, le verset 1. La Bible déclare ceci Après la mort de Moïse, serviteur de l'éternel. L'éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Écoute très bien, on dit que Josué était d'abord fils de Noun, après il est devenu serviteur de Moïse. Lorsqu'on regarde Noun, Noun veut dire aussi poisson. En d'autres termes, Josué était appelé à vivre dans une certaine superficie qu'on appelle les eaux. Parce qu'un poisson doit vivre normalement dans l'eau. Josué était normalement appelé à vivre dans une certaine superficie. On l'avait on limité à vivre seulement dans l'eau. Mais ce que j'aime, c'est la suite de ce verset. Il n'était pas seulement fils de non, mais il était aussi serviteur de Moïse. Moïse veut dire tirer des eaux. Moïse veut dire tirer des eaux. Ça veut dire que Josué était maintenant mis au large. Ah, ça veut dire que Josué ne pouvait plus seulement être euh, géolocalisé seulement dans dans une surface qu'on appelle les eaux, mais Joseph pouvait s'étendre pour aller même dans la terre. C'est ce, 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 en ces minutes tu vas prier. Tu vas demander à Dieu que Dieu te mette au large. Il y a des gens qui t ont, ils, 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 ils t'ont mis dans une cage. Ils ont pris ta vie. Ils ont maintenu cela dans un village. C'est ce qu'on appelle les phérésiens qui appartiennent dans un village. Mais alors que tu vas prier, tu vas demander à Dieu que Dieu te mette au large. De la même manière qu'il a mis Josué au large. Que Dieu te mette au large. Que Dieu mette tes enfants au large. Que Dieu mette tout ce qui est à toi au large. Est-ce que tu peux prier en battant les mains, en demandant à Dieu, que Dieu te mette au large. Que Dieu te mette au large. Que Dieu te mette au large, capayaba, que parabaya, capalabaya, copalabaya et palabaya, capalabaya, o parabaya et rararayá, pa la ba ba ba, aya 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 aya, o capaya, et capaya, que redé, so payaba, capayaba, aya 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 aya, aya 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 aya, payaba ba ba, payaba ba ba. Que Dieu te mette au large. Que Dieu mette ta famille au large. Que Dieu mette tes enfants au large.

Personne n'a le droit de mettre tes enfants dans une case. Personne n'a le droit de limiter tes enfants dans un village. Toi, tu es appelé à être une ville ouverte. Tu es appelé à être une ville ouverte. Payabaya, parabaya. Parabaya. Eh chaka, kara babababa, eh parabaya baya, eh rababababaya, kora babababaya, parabababaya, baya bababaya, eh pala baya baya, baba babababa. Tu es une ville ouverte, tu es une ville ouverte, tu es une ville ouverte, tu es une ville ouverte. Personne n'a le droit de te limiter. Dieu te, au Dieu te met au large, Dieu te met au large, Dieu te met au large, Dieu te met au large. Alors que tu es en train de prier, déclare. Que Dieu me met au large. Dieu me met au large. À la maison. Alors que vous êtes en train de prier. Décrétez, déclarez. Que Dieu vous met au large. Apayaga. Okalaba. Et parados, prados kevaliaba. ba, Aïa aya 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 aya. Hey, chakakaya. Kapayabaya. 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 Que Dieu vous mette au large. Que Dieu vous mette au large, que Dieu mette ta famille au large, Dieu, Père, mets-moi au large, mets-moi au large, mets-moi au large, Karabaya. Je ne suis pas limité, je ne suis pas limité, mon Église n'est pas limitée, ma famille n'est pas limitée. À une certaine zone géographique, moi je suis appelé à m'étendre, je suis appelé à m'étendre, Paya, Akaka, Apaya.

en ce 38e jour d'Anouka, alors que tu prends part à ces programmes, que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Que Dieu mette tes entreprises au large au nom de Jésus. On dit dans Zacharie qu'il y avait un homme qui avait un cordon pour venir limiter Jérusalem. Dieu dit Qui est cet homme qui vient pour limiter Jérusalem Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Qui est cet homme qui vient limiter héritier Qui est cet homme qui vient pour te limiter, maman Qui est cet homme qui vient pour te limiter Pour te mettre toi dans un village Alors que toi tu es appelé à être à une ville ouverte. Quel est cet homme qui est venu pour te limiter Papa, tu nous suis en direct. Quel est cet homme Il vient d'où alors que Dieu veut que toi, tu puisses t'étendre à gauche, à droite, devant, derrière. Lui vient pour te limiter. Quel est cet homme qui vient pour limiter tes entreprises? Maman, quel est cet homme? Quelle est cette femme qui vient pour limiter tes filles? Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Elle ne connaît même pas la douleur de l'enfantement, la, la douleur de l'enfantement de, de, de ses enfants. Mais cette femme vient, dit que tes enfants ne vont pas se marier. Je refuse cela. Ah, je refuse cela. Je refuse cela. Alors que tu as commencé ton entreprise à zéro, personne n'était là. Mais alors que ton entreprise veut vivre l'ascension, elles viennent, disent. Et viennent et disent que tu ne peux pas vivre l'ascension. Je refuse cela. Je refuse cela. Ah, dis avec moi, je refuse cela. Je refuse cela. Toi, tu es appelé à être une ville ouverte. Allez. Tu es appelé à être une ville ouverte. Allez. Dieu va te mettre au large. Fais comme ça avec moi. Fais comme ça. Alors que tu fais ce signe avec ta main. Que Dieu te mette maintenant au large. Personne ne va te mesurer. Ah, personne ne va te mesurer. Commence à déclarer, Père, je suis une ville ouverte. Tu vas décréter que tu es une ville ouverte. Personne ne va te limiter. Personne ne limite ta famille. Personne ne limite tes entreprises. Personne ne limite tes entrées. Personne ne limite tes entrées financières. Personne ne doit limiter ce que toi tu dois manger. Personne n'a le droit de te limiter parce que la Bible déclare que tes portes doivent toujours être ouvertes et les trésors des nations doivent entrer tous les jours. Commence à décréter que tu es une ville ouverte. Tu es une ville ouverte. Tu es une ville ouverte. Tes enfants sont des villes ouvertes. Parabaya, Karabaya, Shabababa, Parabaya, Parababa, Korabayaba, Peredé, Parabababa, Parabaya. Elon Musk aujourd'hui est, 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 est comparé à une nation. Toi aussi, tu es une nation ouverte. Toi aussi, tu es une ville ouverte. Chako Keke. Parabaya baya. Au nom de... Acclame fortement pour l'éternel. Pour sceller ces choses. Je déclare que toutes tes prières sont oui et amen. Je décrète et je déclare. Sous l'onction de mon Père. Que toutes tes prières faites en ces lieux, en ces moments, sont oui et amen. Je décrète et je déclare. Sous l'onction de mon Père. Que toutes tes requêtes adressées en, à Dieu en ces midi sont oui et amen au nom de Jésus. Amen. Tu vivras ton ascension. Amen. Tu es une ville ouverte. Amen. Personne ne va te limiter. Amen. Les hommes méchants sont éliminés devant de toi. Amen. Ils ne seront pas sur le chemin de ton ascension. Ah, ils ne seront pas sur le chemin de ton ascension. Amen. amen. Alors, tu peux te rasseoir. Nous avons fini pour la séance. Dès ce midi, de ce 38e jour, juste faire quelque chose de très important. Tu as prié avec nous en ce midi. Tu as demandé que Dieu te mette au large. Mais tu sais en toi que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. La Bible déclare c'est lorsque, lorsque le fils, fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il faut d'abord accepter que Jésus entre en toi. Il faut d'abord accepter Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur personnel avant de vivre l'élargissement. C'est pourquoi en ce midi, tu reconnais n'avoir jamais donné ta vie à Jésus. Tu vas juste refaire cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je conduis ma vie. Comme bon me l'est semblé. Maintenant, je viens à toi. Sois mon sauveur. Sois mon seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne mes pensées. Je te donne mes envies. Je te donne tout de moi. Viens et prends place. Donne-moi ta vie. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Au nom de Jésus, laisse-moi prier pour toi. Éternel Dieu, Seigneur Saint-Esprit, merci pour ce grand travail que tu as fait. Père, je reconnais quelque chose que ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par ma diction, ce n'est pas par mon français que ces personnes ont accepté de donner leur vie à Jésus. Mais c'est parce que toi, tu as travaillé. C'est parce que toi, tu as convaincu le cœur. Père, que toutes ces personnes qui sont venues à, à Christ... Soit conduit par toi, soit assisté par toi, toi qui es les paraclés. La Bible déclare sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pourrons rien faire sans toi. Guide-le, aide-le dans cette marche, dans, cette, dans ces chemins qui est Christ, jusqu'à ce qu'ils vont atteindre la stature parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Alors tu as prié avec nous. Il y a les côte qui apparaît. Ne passe pas d'un live à un autre, ne va pas directement te plonger dans ton travail, dans tes courses. Libère une semence, donne l'offrande, celle dans ses ministères, atteste ta délivrance, atteste ton ascension. Atteste ton ascension par l'offrande que tu apportes. Nous sommes à notre 30, 38e jour, il reste deux jours, plus la semaine additionnelle, il y a encore beaucoup de dépenses, ton offrande va. Beaucoup aidé. N'envoyez à personne qui vous écrit in box pour dire que non, envoyez l'argent tel coin du monde, envoyez par-ci ou par-là. Le seul moyen légal que le ministère de notre Père, le prophète Joël Francis Tatou, utilise pour recevoir de l'argent, c'est le QR code qui apparaît au-devant de votre écran. Alors, n'envoyez pas à X ou Y personne qui vous écrit dans un coin du monde. Amen. C'était là le frère héritier, fidèle de la porte de ce Kinshasa et ouvrier à l'intercession. Je dis merci à, mon, à mes parents spirituels pour cette mesure de grâce qui ne cesse d'apporter à, à notre petite personne. Merci à vous qui avez suivi et merci à ces personnes qui m'ont assisté ici sur le plateau. Merci aussi à l'équipe de la régie. Que Dieu nous bénisse tous. On se retrouve à 16h. Très bonne suite de la journée à vous. Merci. Amen.